Et voilà, on est bien installé pour aller à Genève. Hyper marrant de prendre l'avion pour aller à Genève, surtout qu'on va aller jouer devant pas genre 50 personnes, donc c'est vraiment très très beau. Ça n'a aucun sens de faire autant de trajets pour aller jouer devant 50 personnes, mais bon, c'est amusant, c'est drôle. Je suis invité, j'ai envie d'aller, donc on y va. A tout à l'heure. Salut Nico. On est en vie. J'ai vomi trois fois. C'est bon. Ah Nico, t'as vu? T'as vu mec? Toute la fête pour nous? C'est fou hein? Toute la fête pour nous, ça? C'est le théâtre. Hein? C'est le théâtre Pitié au ouf. C'est pas pour nous? Non. Pour un autre spectacle? C'est pas notre théâtre ça. Et notre file, elle est où? Ben elle doit être plus longue là-bas. Elle est où notre file? Je sais pas. Venez nous voir nous? Pas du tout. Non, bah non, on dirait pas. Hein. Pas pour nous? Non, non, on dirait vraiment pas quoi. Bah en tout cas, personne ne répond. Ouais, non, ils ont vraiment pas envie. Antoine, excuse-moi, viens un peu. Et je crois qu'il y a tous les gens là-bas qui nous attendent. Oui, d'ailleurs on va juste faire le tour de la salle pour pas qu'ils vous reconnaissent. Ah oui, c'est parce que sinon ça, il va y avoir une émeute. Ah ça va, mais c'est bien ouais. Pour nous. Mais il y a la sécurité. Ah ça me fait bien ce que je disais, vous êtes là pour nous. Ouais, exactement. Pas de réponse, pas de réponse, toi je m'inquiétais un peu. Ils sont là. Et c'est vous. Bien pour nous. C'est pour vous. Ah ça me rassure. Ah ça me rassure Antoine. Pas de problème. Ah ça me rassure, putain j'avais peur. C'est pour nous hein Nico. C'est pour nous, c'est bon. Ah bah c'est super. Oh, mais c'est canon, c'est ici en fait. J'ai mis la clim à tout. Waouh. Ah, c'est super la clim. C'est super canon, dit. Ah ouais, j'ai pas récupéré. Oh, j'aime bien cette ambiance. Donc vous l'avez compris en fait, hein, c'est pas dans l'autre café théâtre, c'était une joke, mais du coup c'est dans ce petit café théâtre qu'on joue. C'est hyper adorable. Ici il va y avoir forcément des gens et pas des zèbres. Parce que ça n'aurait pas de sens de jouer devant des... zèbres. Exactement Nicolas, merci de suivre. Ah regarde, on va être posé là. Et là moi je vais me poser comme as. Je vais être là comme ça. Genre bonsoir, ça va les gens? Et comme il n'y aura pas beaucoup de jeunes, ça va faire. Ça va, les jeunes? J'irai bien me faire un tour côté de ce sang. Bon, c'est parti pour boire un petit verre pour essayer de déstresser. Mais c'est fou comme j'ai vraiment le stress qui commence à monter. Donc, avec Nicolas, là, on prend un petit verre. Moi, j'ai pris un petit coca. Voilà. Et Nicolas, il a pris un petit iced tea. Parce que Nicolas. Il est fan d'Ice-T, c'est, il a des posters d'Ice-T dans sa chambre. Dylan souvent s'habille en Ice-T régulièrement. Et donc c'est super marrant parce qu'il y a deux concurrences en Belgique en boisson. C'est vraiment Coca et Ice-T, c'est vraiment les deux concurrences. Du coup, en commentaire, Coca vs Ice-T qui gagne. C'est le... Coca, je pense. Que le jeu commence. C'est ma première fois en Suisse, donc je suis vraiment très très content. Est-ce qu'il y en a ce soir qui sont peut-être en couple depuis longtemps? Levez la main. Ah, bonsoir. Comment vous vous appelez? Laura et Pascal. Vous êtes ensemble? Oui. C'est pas très clair. Soirée fille. Et votre partenaire n'est pas là. D'accord, je comprends vite. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec votre partenaire? Qui savait qui le plus longtemps? Moi, c'était 25 ans. 25 ans de mariage? Oui, c'était 25 ans. C'est plus que mon âge. Et vos trois âges réunis. Donc, wow. Et vous souvenez, comment il s'appelle votre... Jean Blaise. Jean Blaise. Je suis désolé. Merci beaucoup, vous avez plaisir. Qu'est-ce que t'as pensé de la soirée? Alors, très 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 bonne soirée. Première fois que je programme deux humoristes belges. Première fois et pas la dernière. Ah, merci beaucoup. On a honoré la Belgique ou pas? Eh, non, bravo. Ah, bah, merci, ça fait plaisir. Vous êtes presque plus drôle que les Suisses. Presque, presque. Le melon. Ah, merci en tout cas, c'est vraiment cool. Il faut savoir que c'est lui qui organise tout ça et organiser des événements, c'est tellement difficile. Donc n'hésitez pas si vous êtes de Suisse, tu organises plusieurs trucs? Oui, oui. Deux ou trois fois par semaine. N'hésitez pas à le suivre. Je mets son Insta ici. Bam. Et vous allez le suivre et suivre les événements et tout. Et peut-être que je serai sur un des plateaux, donc peut-être qu'on va se croiser par hasard. Bam, ça fait plaisir. Allez, ciao. Ça y est, on rentre à l'appartement. Faire dodo que nini. On va faire une soirée salsa. C'est Antoine qui nous amène à cette soirée salsa. C'est la première fois qu'on va faire une danse salsa.
Ça va être assez marrant, mais du coup je peux pas vous emmener avec nous. Donc je vous raconterai ça demain. Attends. Et peut-être quelques images. On va lui donner des images. Ah oui, oui. Attends. Maintenant, on va t'apprendre à danser. On fait, ah, dans mon appart, on t'apprend à danser avant de partir. Bah écoute, ça marche. On va lui montrer ça. Petit cours de salsa juste avant et puis on va à la soirée. Oui. C'est parti. Robot. C'est parti pour le petit cours de salsa dans le salon des humoristes. Voyeur, bienvenue au cours de salsa ici, en Ginebra, con lo Belgico. Ricky Martin. Oh, maman. Alors. Si. 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 Cuba. Cuba. Allez, c'est parti pour la soirée, je peux pas vous emmener avec vous, mais peut-être que je filmerai peut-être des trucs sur Instagram, c'est pour ça que je me suis sur Instagram. Mais j'essaierai peut-être de mettre quelques extraits dans la vidéo, j'espère. Allez, bis. Non, c'est à demain matin. T'as bien dormi? Ah bah super moi, super. J'ai pas eu chaud comme dit l'homme. Putain, j'ai eu chaud toute la nuit, je savais pas que la Suisse était un pays chaud. En tout cas on vient de se réveiller, hier soir c'était une soirée de folie. Oui. On est rentré à 4h du matin, on a fait soirée salsa, puis on est sorti en boîte de nuit. Je ne sais pour quelle raison, on était dans des coins VIP et tout, c'était trop cool. Donc merci Antoine encore pour ça. Et du coup on va juste manger une dernière fois avec Antoine, et puis on se barre et on va retourner en Belgique. Et l'aéroport. J'adore. Et voilà tout ce qu'a pris Nicolas, il n'a rien pris pour nous. Allez, bon appétit. Il a trop faim, donc il a tout pris à manger. Parce que c'est un gros... Oh, voilà. Tiens, je te passe ça. Ah, merci. Ah, je vais quand même pouvoir manger. Bon, ça y est, c'est le départ. Antoine, merci beaucoup pour tout. Avec vraiment, plaisir. Vraiment, t'as été vraiment super. Mais on se revoit pas. Ciao. Allez, ciao. À jamais. Non, on se revoit en Belgique. Tu viendras en Belgique? Oh oui. Oh, ça va être vraiment cool. Et Nicolas, t'es prêt à prendre l'avion? Les frites et des pneus, bah, je pas. Nicolas, super peur de l'avion. Il n'y a pas le choix. Un dernier message à tes parents si on crache. Vous pouvez prendre le chat. C'est adorable. Et moi, chers parents, je vous aime. Bis. A, B, C, D, E, F, U. When I fly, when I take the sun from, when now this rock in the world is a spot. Get the beat, when I fly, get them lift the sun from. Salsa, salsa, salsa. Hey, you, I'm the bride. Le pilote pour voir s'il va bien. Apparemment tout roule. Enfin tout vole. Excellent blague. Et voilà, bien rentré en Belgique. Et oui. Café de pain. T'as aimé ce séjour, café belge. Nicolas, trop bien. Écoute, moi je suis très content d'avoir vécu ce séjour avec toi. Et de même. J'espère qu'on en aura encore plein. Oui. Un dernier message pour les abonnés. Abonnez-vous. Ah non, ils sont déjà abonnés. Oui. Restez abonnés. Restez abonnés. Ça, c'est un bon message. Allez, merci les gars. Bisous. Ciao, à la semaine prochaine.